Alors, l'association Berry-Tudis, c'est une association qui a pour vocation d'accueillir à la base des enfants. Et depuis quelques années, on a mis en place un séjour famille dont le but est de permettre à tous, et notamment aussi aux familles, de bénéficier de ce lieu assez extraordinaire. Les familles et les personnes qui viennent au CEDRE, soit elles viennent pour le cours de français, soit au Café Papote, ou les personnes qui sont domiciliées, donc c'est cette public qui est visé pour partir en vacances. On travaille avec le centre Berry-Tudis depuis 4 ans. Le but, c'est de faire partir les personnes accueillies au CEDRE en vacances, les familles aussi, de se reposer, de découvrir la France, découvrir d'autres régions, vivre les moments forts en émotion, faire les nouvelles connaissances. Au Secours catholique d'Ille-et-Vilaine, cette année, donc, on a 4 familles qui participent au séjour. Et le but, c'est de permettre à des familles de partir ensemble en vacances avec des personnes qui les accompagnent. C'est un peu des vacances quand même. Les familles qu'on accompagne, la plupart du temps, sont en situation de précarité. C'est des fois des familles qui ne sont jamais parties en vacances ou qui ne sont pas parties en vacances depuis longtemps. C'est mieux de partir en vacances pour rester enfin, ensemble avec la famille parce que vu que mon père il travaille, on ne passe pas beaucoup de temps ensemble. Moi, c'est très, très content avec arriver vacances. Parce que ici très très joli, très belle ici, même organisation très bien, tout le monde très gentil, très content. On a 4 familles avec nous, 3 familles du Bangladesh et 1 famille de l'Afrique. Dans le centre, il y a beaucoup de familles où les enfants qui viennent d'autres pays, donc ils sont obligés de communiquer entre eux en français. Et on a constaté que les personnes qui sont parties l'année dernière au centre Berry-Tudis, ils parlent mieux français qu'ils parlaient avant. On joue à des jeux de société, on fait des spectacles. Je trouve que c'est super ici. Rencontrer des gens, enfin, c'est super cool. Je trouve ça, enfin, c'est agréable, quoi. Donc on a des vacanciers et on a aussi des bénévoles qui nous aident dans nos travaux. Ce sont des gens qui participent aux vacances solidaires. Ils nous aident à faire la vaisselle pour tout le centre, à mettre le couvert également. Et ils travaillent quelques heures dans la journée. Et le reste du temps, ils profitent des attractions que l'on peut avoir ici. C'est un vrai travail, hein, parce que c'est... Mais sinon, c'est les vacances aussi pour nous. Parce que de moi-même, là, je n'allais pas connaître la Bretagne, la mer, tout ça, monter en bateau, non. Je n'allais pas le faire. Ça me fait du bien. Et après, on va aller balader, puisque si on a terminé le travail, on va sortir pour aller visiter un peu de ville. Ça me changeait aussi beaucoup de choses, puisque ça va, le stress, tout le stress là, il est parti. Je vois la mer seulement sur la télé, donc c'est ma toute première fois de toucher l'eau, de goûter l'eau. On a tant parlé que c'est salé, mais aujourd'hui, moi-même, j'ai goûté.